salut à tous les ozos, nous voici aujourd'hui sur le jeu FIFA 15. FIFA 15 dans le jeu, enfin le mode de jeu que je préfère, c'est-à-dire le mode carrière mon joueur. Pour cela j'ai créé Enzo le Clown. Alors ceux qui me connaissent, il paraît qu'il me ressemble, j'ai utilisé un petit peu le... Comment on appelle ça? Le face game là, comment ils appellent ça déjà? Oui, le game face de... voilà, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Le game face de EA Sports, donc voilà ce que ça donne. Je me suis fait un petit peu comme je le suis habituellement. Je crois qu'il est un peu moins lourd que moi. Je vais donner un nom en commentaire qui est long parce que vous allez rire, mais c'est mon deuxième prénom. Hein. C'est un prénom vietnamien qui veut dire dragon. Donc on utilise un peu long et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais donner un petit peu des trucs. Vous voyez, il a certaines caractéristiques. Voilà. Donc voilà. Mes avis d'abord sur le jeu. Attendez, on va revenir. On va lancer un petit peu le début. Donc j'ai été retenu dans l'équipe. Pourquoi je joue au Angers SCO? En fait, c'est assez particulier parce que à la base, je me suis inscrit au PSG. Et le truc qui est assez particulier avec FIFA, hein, c'était déjà le cas avec FIFA 14 dans ce mode de jeu là, c'est que vous pouvez pas jouer dans les grands clubs tout de suite. Donc le PSG m'a tout de suite prêté au départ à Clermont Foot, avec lequel j'ai été champion de France Ligue 2, meilleur buteur du championnat d'ailleurs. À la fin de la saison, je suis revenu auprès de Paris. Et auprès de Paris, qui était très content de me voir revenir, hein, qui me dit oui, vous êtes génial, l'effectif est vraiment, vraiment très content de vous voir, ça va être sympa de vous avoir avec nous. D'ailleurs, on vous reprête. Donc me revoilà au Angers SCO. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai plutôt une forme excellente, j'ai joué 14 matchs, 24 buts. Et oui, je suis buteur. Hein, j'aime bien jouer buteur parce que c'est tout simplement un peu le plus spectaculaire. Puis bon, ça reste un FIFA, on est heureux pour ça. Comme vous pouvez le voir, j'avais un objectif de, on le voit ici, 22 buts à mettre, 20 buts à mettre, j'en ai mis 22 en Ligue 2. Les autres viennent des coupes, me semble-t-il. J'ai pas fait de passe décisive, j'ai un objectif de passe décisive de 6 ou 7, je sais plus. On va voir ça de toute façon au fur et à mesure du match. On va aller tranquillement jouer. J'ai un mode de vue qui est assez particulier, hein, qui est celui que je trouve le plus immersif quand vous jouez en tant que mon joueur. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne tout simplement. Et puis ça va bien se passer. Voilà mon équipe, Aurillac, Camara, Kennedy. Kennedy qui est un de mes meilleurs passeurs je trouve. Hein, voilà, je ne sais même pas si le personnage existe réellement, mais en tout cas je l'apprécie beaucoup en tant que passeur de mon joueur. Voilà. Voilà. Oh là là. Ces trucs-là, là, les entraînements sont toujours très marrants. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que si vous tentez de le faire un peu comme je le fais là avec un joueur qui n'est pas vraiment un des meilleurs joueurs du jeu, vous avez extrêmement de difficultés à... Putain de ballon de... Pneu de merde. Bref, vous avez extrêmement de difficulté à le faire. Alors que si vous prenez un match classique, vous pouvez vous en sortir bien mieux sans avoir ce souci-là. Nous voici sur le match. Oui, j'ai laissé les commentaires. On a toujours les deux abrutis qui continuent de nous parler. Allez, on est parti. Le clown, c'est moi. Ouais, c'est ça. On va jouer contre Nîmes Olympique, quoi. Normal, mec. Donc nous y voilà. Alors qu'est-ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là? Ça reste un très bon jeu de foot en soi, hein, c'est le principe. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont revu depuis FIFA 14 que j'avais aussi sur PS4, parce que là je joue sur PS4. J'ai l'impression qu'ils ont changé leur moteur graphique. Et c'est un peu le défaut que j'ai. Enfin leur moteur graphique, leur moteur physique surtout. Et c'est un peu le défaut que j'ai. Hop, on se met en position. On tire. Et c'est le but. Et c'est le but. Mais oui, première action, premier but. Allez, allez. Bon, là, on avait fait. C'est exactement ce que je vous disais. Avec Kennedy, on combine bien. Je vais passer une belle passe sur le côté. Et puis après, le gardien m'ouvre le but. Tout va bien, quoi. Donc, je vous disais, ce que j'aime pas trop, c'est un peu la physique des joueurs. Vous avez de temps en temps des collisions entre les joueurs qui sont totalement... Enfin moi j'appelle ça buggé parce que je suis désolé. Il y a vraiment des moments où ça part n'importe comment, quoi. Et c'est un peu la même chose avec les balles.
vous avez extrêmement de soucis avec des ballons qui partent à des endroits où on ne comprend pas trop ce qu'ils viennent. Oh, c'est du pénalty. Eh bah oui, là c'est clairement un pénalty, mec. T'as fait n'importe quoi. Et bah voilà, et ça c'est mon deuxième souci avec FIFA. Les joueurs, hors l'équipe adverse qui est dirigée entièrement par l'IA, donc qui s'en sort plutôt bien, qui a une très bonne cohésion d'équipe la plupart du temps. Nos joueurs à nous, nos coéquipiers, ont la plupart du temps l'esprit footballistique d'un beignet mou. Hein. Et un beignet mou, quand ça joue au football, c'est pas très joli. C'est-à-dire qu'il y a des moments, un défenseur qui voit une balle passer devant lui, il va pas y aller. Mais par contre, les gardiens sont chauds, ça c'est n'importe quoi. Franchement, les gardiens sont d'une force. En fait, à chaque fois, vous avez tout simplement des gardiens qui font le match de leur vie contre vous. Et c'est assez. Autant c'est sympa, parce que c'est vrai que dans certains FIFA, vous aviez l'impression qu'on pouvait un petit peu tout faire au niveau but. Autant là, vous avez vraiment, vraiment un gros travail sur les qualités de gardien qui les rendent vraiment, vraiment indiscutablement meilleurs qu'avant. Et c'est assez frais, c'est assez sympa quand même de se dire que vous présentez devant les gardiens et c'est pas parce que vous êtes bien placé tout seul comme avant que ça va remonter. Alors j'ai toujours pas compris un petit peu le système de notes de match comme vous voyez, puisqu'en fait vous perdez des points si vous n'êtes pas placé là où il faut. C'est pour ça que j'ai les petits indicateurs qui se passent au niveau de mon joueur, vous voyez là-bas. Donc je vous disais, la caméra est un peu particulière, et ouais, c'est une caméra qui est centrée et sur le ballon et sur moi. Hein. Ça fait une espèce d'ellipse comme vous voyez. On suit le ballon et on suit moi un petit peu plus haut pour que je me vois toujours. Mais c'est très très immersif quand vous commencez à faire une action en attaque, un truc un peu plus badass, c'est assez sympa. Donc pour le moment, je parle beaucoup et je fais pas grand chose, enfin hormis le fait que j'ai déjà marqué mon but. Hop, je demande. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, la physique est assez particulière. Je suis allé pousser un peu le défenseur pour pouvoir avoir la balle, ce qui s'est bien passé. Par contre, derrière, je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon joueur a pas fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire tout simplement mis le pied sur la balle ou au moins le tirer, quoi. Je sais pas, parce que c'était un peu la seule chose que je lui ai demandé à la base, parce que vous imaginez bien que mon but c'était quand même éventuellement d'aller le marquer. Et voilà ma finition personnelle, le petit salut. Hein, pour ceux qui me connaissent, ils comprendront pourquoi. Mais voilà, donc là, vous voyez, là j'arrête vraiment la balle, et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. J'avoue que là, je vous montre pas trop que le gardien est chaud, ce qui est assez particulier, parce que ça m'est arrivé d'avoir des matchs contre des équipes pas vraiment, vraiment très, très connues, et de tirer dans des positions vraiment, vraiment très, très bonnes, avec une mise en place par mes coéquipiers qui sont plutôt bonnes, et à côté de ça, ne pas me retrouver avec autant de facilité à marquer un but. Alors que là, je vous en ai marqué deux un petit peu facilement. Faut dire que au fur et à mesure, votre joueur s'améliore. En fait, vous partez vraiment avec un joueur basique, pas très très... Pas très très bon avant. Et en fait, au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous remplissez des défis, vous gagnez des points de match. Donc c'est relativement intéressant. Je pense que c'est un bon système pour vous permettre en fait de sentir une évolution de votre joueur. Coup franc, voilà. Mais c'est n'importe quoi. Allez, on va le défendre un peu. Vous voyez là par exemple, vous avez vu un petit peu le petit choc avec l'attaquant. Il s'est passé un truc vachement bizarre en termes de physique des joueurs, quoi. Normalement, quand vous avez deux joueurs qui se poussent, ils se poussent, c'est tout, quoi. Alors que là, vous vous faites toucher par un joueur, vous pouvez vous retrouver à faire un espèce de mouvement très bizarre, un peu comme si vous aviez, comme si vous étiez en caoutchouc et que le mec vous a tapé dessus et donc vous vous mettez à voler dans tous les coins un petit peu. Enfin, c'est d'une part pas très très joli. Et d'autre part, pas très très réaliste, me semble-t-il, pour un jeu qui se veut le plus réaliste possible sur la partie. Magnifique. Ok, on accélère. Vas-y, Camara. Ouais. Mais non, gros. Ouais.
Allez! Allez! Voilà, forcément, le gardien paraît vraiment, vraiment pas chaud. Mais regardez un petit peu, même ce que je vous disais dans les animations, là, vous avez vu un petit peu, on a l'impression que le cou part un peu n'importe comment, les épaules sont démembrées, enfin, c'est vachement particulier dans les animations de fin. Et j'ai l'impression que c'est un peu le début d'une nouvelle ère d'un point de vue physique du jeu. Et que pour le moment, bah, ils ont un peu balbutié là-dessus, et que sur les prochains, ça va s'améliorer. C'est un peu dommage parce que, bon, bah, on est sur celui-là. Mais pour moi, il y a un, je sais pas, il y a quelque chose qui est revenu un peu en arrière comparé à ce qu'on pouvait avoir à d'autres moments. On avait des animations plus réalistes, plus, enfin, moins de bugs dans la. Vous voyez ce que je vous disais? Regardez, les défenseurs les attaquent pas. Enfin voilà, on joue pas là, on joue pas au foot, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais siffle-le, ton. Ah, je déteste ça. Vas-y. Oh là Et le hors-jeu qui est signalé, là. Aïe, c'est aïe, dommage aïe, pour le aïe. joueur. Dommage, j'allais tenter la frappe en Et dehors je de la pense qu'on surface va de rester réparation. resté Mais là bon. pendant assez longtemps. Ah, par contre, franchement, les arbitres de touche, ils ont des yeux de lynx. Hein, parce que la plupart du temps, on est quand même très très loin. Bah, le petit carton jaune qui va bien. Ça, c'était un truc qui me déplaisait déjà dans FIFA. On laisse pas l'avantage si c'est pour un carton jaune. Clairement, je veux bien qu'il y ait avantage, je veux bien qu'il y ait ce que vous voulez. Mais un carton jaune, ça se distribue Kennedy. sur le moment. Et hop là, et feu! Oh oui, oh le tir! Encore bon tir au Allez! pot, ça! Bien joué, gardien. Vous voyez ce que je vous disais, le gardien est quand même chaud chaud quoi. Hein. En soi, ça avant dans FIFA, vous mettiez. Long. Vous Aïe mettiez un aïe. shoot comme ça hors de tout. Ah, bien joué. Oh, elle est dangereuse cette Oh fois! là là! Ah oui, cette fois Oh, c'est bien! l'erreur du gardien! Oh, c'est tellement n'importe quoi! Là, c'est tellement n'importe. Franchement. J'étais en train de vous dire qu'ils avaient tout changé au niveau de l'aspect gardien, hein, vraiment la Joueur mentalité du Kennedy. gardien, mais là, Ouais, tellement il il a a fait une n'importe position quoi, large maintenant, c'est sûr. il aurait dû tellement Mais plonger avant, il a enfin eu c'est l'audace de tenter sa chance n'importe là. quoi. Là Et il est franchement, récompensé. le gardien est mauvais, mauvais, clairement, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, c'est tellement, mais tellement n'importe quoi. Enfin, on va rien dire, on va continuer à jouer, hein. 4-0 dans 4 buts de moi. On sent un petit peu de résignation. Voilà quoi, Car ça devient un petit peu l'équipe est n'importe quoi largement les gros. menée, on voit pas comment elle pourrait revenir. Ah, Bah, quelle force sur cette elle peut pas, interception, c'est clairement. impeccable. Hop, petit peu de dribble, hop. Ouais, c'est repoussé. Wouhou! Bien joué, gardien. Je pense que ça Et méritait de le 14-0, tenter quand c'est même long pour à la dire. pause. C'est pour 4-0, tourner la c'est réalité. chaud, Il va falloir hein. montrer Le un mec, il a autre pas fait grand-chose, visage quoi. après la mi-temps. Bon, au niveau du public, Bon, les deux EA impatients de a pas cette encore vraiment première vraiment période fait à quelque sens chose de unique. très très bon, mais Ben, je bon. dirais qu'ils ont tout simplement rendu une copie quasi parfaite. Ils mènent au score, ils montrent une grosse domination dans le jeu. Il reste D'ailleurs, pour pour vous montrer un petit simplement peu ce qu'ils que je n'ont pas voulais déjà dire, pris le bon je score. reprends les paramètres. Paramètres de jeu. Vous pouvez le voir, on est. Non, ça c'est les caméras. Comment qu'on fait? J'ai même baissé les erreurs de flap, les erreurs dans mes frappes. Oui, je suis passé à 45 au lieu de laisser en 50. Parce que bah, je pense qu'on peut essayer comme ça, quoi. Mais clairement, j'ai quand même vachement de mal à comprendre comment. Là par exemple, enfin, ça m'est arrivé au tout début de prendre des matchs. Vous avez Il n'y a eu aucun clairement suspense avant la aucun première période. souci. On va voir si les choses changent un Mais petit peu dans le non! passage au Tu vestiaire. sais même pas faire une passe, mec! Nani, je sais pas Bon, il quoi a bien là. sauté hein, Fais pour quelque chose, éviter le bordel. tacle. Voilà. On se met sur le côté pour bien couper les zones de passe, hein, c'est mon boulot. La tête! Et directement Bon, la sur le tête, c'était un gardien peu qui n'a pas chiant. vu J'aurais préféré arriver. une reprise de volée, mais j'avoue. Alors, il faut peut-être que j'appuie sur L2, ça fait des tirs un peu Kevin particulier, je sais pas, Kennedy. je suis pas. Oh bien, Ouais, bonne je me intervention, suis il demandé récupère ce s'il allait ballon. pouvoir le faire et vous voyez, les joueurs sont pas si mauvais en soi, enfin Retour en les balle. joueurs, les adversaires sont plutôt bien faits, ils montrent une grosse Ouais, c'est résistance à tout Sokho. ça. On va L'équipe à revenir un petit peu, domicile voilà. qui devrait bientôt effectuer un changement. Super. Hop, petit arrêt, Long. hop, hop. Attention, le gardien va prendre sa chance de Voilà! revenir. J'aime bien. Bon, J'aime c'est beaucoup bien parce que ça placé alerte le pour gardien. éviter Moi, cette ça me permet de faire des petits gris-gris. Enfin, là, Il va c'est y des gris. avoir un Je suis pas un changement. spécialiste du gris. Et d'ailleurs, je suis pas un amateur du gris. Vous savez, L2 avec le stick R. D'une part, parce que je crois. Enfin, je pense qu'on peut
s'en sortir sans ça, et d'autre part parce que la plupart du temps les gens qui font ça, ah oui, le bon centre, ah là là, dommage, les gens qui font ça souvent en font un peu trop et se retrouvent régulièrement avec une balle perdue alors qu'ils auraient pu shooter beaucoup plus tôt ou bien trouver une position bien meilleure que celle qu'ils arrivaient à avoir grâce à leur dribble. Voilà, donc ça veut dire, c'est, j'essaie de vous expliquer un petit peu. Voilà. Vous voyez là par exemple, absolument pas. Absolument pas. À aucun moment je n'ai touché au L2. Donc j'ai pas fait du tout de geste technique particulier. C'est juste sur le mouvement et le déplacement du joueur. Vous voyez, on s'arrête, on repart. Ici, on vient se décaler et on reprend tout simplement la bonne direction pour tirer. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il n'y a pas besoin de grand chose. Bon. Il va vraiment falloir. Plus j'avance là dans. Sur cette carrière, et plus je me le dis, il va vraiment, vraiment falloir que je trouve le moyen d'augmenter la difficulté. Pardon, parce que là, là, c'est quand même assez, assez n'importe quoi. Clairement, 5-0 avec un joueur qui est vraiment, enfin, qui n'a que 75 de points. On dirait 75, c'est un joueur moyen en Ligue 1. Et là, je joue en Ligue 2. Clairement, quoi, c'est mon 15e match, je suis à 27 buts marqués. Je vais encore être meilleur buteur de cette année. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Est-ce que notre sélectionneur national ne m'a pas encore sélectionné au moins dans les moins de 20 ans? Allez, on va essayer. Bon, bah. Il n'y a, hein, y a pas grand chose à dire. Pourtant, j'avais appuyé sur L2, vous voyez. Mais là, qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais du coast-to-coast, comme on dit, et j'arrive tranquillement pour marquer. Il va vraiment. Non, il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter les difficultés. Sinon, d'une part, ça va pas être intéressant pour vous. Vous voyez, je suis assez surpris parce que c'est la première fois que je marque autant de buts dans un match. Déjà. Et c'est même la première fois que j'ai vraiment l'impression d'avoir un match putain, vraiment facile, quoi. Alors c'est pas la première fois clairement que l'adversaire a vraiment du mal à avancer sur nos terres. Voilà, bah là vous avez vraiment en fait. Mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Hop. Alors, c'est qui le patron? Il n'y a plus que le gardien sur sa route. Peut-être le but. Ah oui, cette fois c'est fait. Mais franchement, ce gardien, je sais pas. Il y a un. Il y a un truc que je ne comprends pas, je lui passe ce que je veux au gardien. Je lui passe ce que je veux. Je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas. 6 buts sur un match, vous imaginez? Le joueur qui fait ça, c'est quoi? C'est l'Espagne ou l'Allemagne qui joue contre les îles Féroé, quoi. C'est pas. Ça marche pas autrement, quoi. Hop. Dommage. Hop. Oh merde. Je l'avais envoyé, mais il était pas là. Allez, on va se placer pour récupérer la touche. Je vais me mettre moi par là. Ok. Dommage. Dommage, dommage. Style qui va faire rentrer du 109. Diego Gomez. Vas-y gros. Vas-y gros. On va tenter de déborder. Vas-y gros. Hop, on s'arrête. On essaye d'éviter le tacle. Et on fait une. Oh, c'est appuyé. Oh. Vous voyez, je voulais. Là, pour le coup, comme j'ai marqué 6 buts, j'étais en train de me dire bon, allez. Saisir, on va essayer. Là, on arrive bientôt, vous allez voir, dans le moment où je vais. Voilà. Où je vais sortir. Puisque, en fait, je finis très rarement les matchs. L'entraîneur me met souvent. Encore. Ah, bah non, mec. Putain, c'était que pour toi, ça. C'était pas pour moi. C'est pas possible. J'étais passé derrière, moi. Il fallait me l'envoyer à gauche. Bref, donc je disais, j'étais en train de penser à un moment donné, hop là, ça j'aime pas trop, parce que c'est voilà, c'est un des gros défauts aussi de FIFA, depuis FIFA 14 c'était déjà le cas, les blessures sont très fréquentes, vous avez souvent une petite blessure à la con, qui vous éloigne des terrains pendant 2-3 semaines, et c'est clairement... C'est clairement très chiant à gérer. Oh, la belle frappe. Hop là. Voilà, donc là je sors, je suis remplacé par je sais pas qui.
Et on va jouer, on va repasser en mode de jeu classique. Bon, bah bon, ceci dit, j'ai marqué 7 buts, c'est un peu n'importe quoi. On va pas trop en vouloir à l'entraîneur, hein, nous faire sortir sur ce coup-là. D'autant que si je suis blessé. Ah, ouais, putain. Récupère le ballon sur ce bon tacle. Voilà. Oui, alors le jeu en équipe comme ça est beaucoup plus simple, hein, comme toujours quand vous faites ce genre de choses. C'est c'est relativement simple de jouer quand vous êtes en équipe parce que vous gérez vraiment l'ensemble de l'équipe. Donc bah, quand vous montez une action, c'est pas une action qui part juste de vous en espérant que vos coéquipiers aient la bonne idée de vous la passer, hein, comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais plutôt une action que vous mettez vraiment du temps à construire. Alors après, ça a ce défaut là qu'aussi, bah, si vous êtes nul en défense, contrairement à jusqu'à présent où la défense était gérée par l'IA, quoi qu'on en dise. Hop, Camara qui s'arrête et qui lance. Oh là là, oh là là, oh là là, repris au dernier moment. Beau geste du défenseur. Très très beau geste du défenseur. Non, bah non. Bah non, là t'as pas le droit, mec. Franchement. Wouah, n'importe quoi le coup franc. Mais bref. Mais sinon, non, c'est un mode de jeu que j'affectionne particulièrement. Et bah, c'est celui auquel je joue le plus de toute façon sur FIFA, hein, clairement. Avec pour objectif de jouer réellement avec le PSG un jour, si possible avec Zlatan, hein, parce que voilà, ça peut être super marrant de jouer le PSG en tant qu'attaquant avec soit une aide de Zlatan, soit la possibilité de lui faire des passes décisives. Et on gagne le match. Ça y est, voilà, formidable. On a été très bon sur ce coup-là. Bravo les gars. Et je vous apprécie, vous êtes formidables. Donc on a nos fans, etc. Putain, mais vos gueules, les gars, merde, je parle. Donc bon, par contre. En termes de but, comme vous pouvez le voir, c'était un peu facile, c'est un peu n'importe quoi. 9,8, bah ouais, en même temps, t'as un attaquant qui tire 9 fois cadré, qui les met toutes. Enfin voilà quoi, en soi, je vois mal comment tu peux lui en vouloir, comment tu peux ne pas le noter comme ça. Donc bah, on va rien dire, on va continuer. Je pense qu'au niveau, on est le 13 novembre, je crois que la saison se finit en mai. Il n'y a pas grand chose à dire. Mes stats sont plutôt bonnes. Mon pro, saison, ouais, regardez, on est en tête largement, enfin largement, on a 3 points d'avance sur le RC Lens. Il n'y a pas grand chose à dire. Là-dessus, on est en train de les mettre un peu minables. Alors attendez, on va reprendre ici. Pourtant, j'étais en difficulté semi-pro, hein, quand même. Semi-pro, c'est pas si mal. Hein. Je vais refaire un ou deux matchs, je pense, histoire de voir où est-ce qu'on en est. Si effectivement je continue à être n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'ils disent, l'exploit offensif de Le Clown récemment attiré l'attention de son entraîneur, blablabla. Vous ne pouvez être qu'être satisfait, bien sûr, j'espère qu'on est sur un moment, ne peut-être que bénéfique pour notre club, tu m'étonnes. 7 buts de son équipe, bah ouais, voilà. Merci d'être là. Donc bon. Pas grand chose à dire, c'était un bon match. J'ai remporté la victoire grâce à mes magnifiques buts. 31 buts marqués cette saison pour le moment. Aucune passe décisive, ça c'est plutôt pas top. Il va falloir que je m'améliore, mais on verra bien. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, peut-être pour un prochain match. Et je vous reprendrai. Enfin, de toute façon, je pense que je vais avancer un peu dans la saison. Et puis je verrai un petit peu s'il y a un match intéressant, je vous le filmerai. Voilà, à plus, ciao. We'll be right back.